toujours faire de l'exercice le matin. Faut pas partir à froid, hein. Un peu d'échauffement. Allez hop. Allez. Salut. Bienvenue aujourd'hui pour fabriquer la table qui va aller dans ma cuisine pour manger tous les jours. Ça va être du châtaignier. J'ai déjà utilisé pas mal de ce bois pour faire des meubles dans la maison. J'aime beaucoup cette essence, même si elle est difficile à maîtriser, à dompter. Donc on va faire ça ensemble. Allez, en avant! Le châtaignier, c'est vraiment une essence que j'adore. D'abord pour son aspect au final. C'est très chaleureux comme bois, il y a un joli grain. Vous verrez à la fin sur la table, c'est vraiment super beau. Mais ça vient pas sans défaut, et le premier c'est que c'est un bois très nerveux, et j'entends par là le fait que ça va bouger dans tous les sens. Là, en séchant, ils se sont fendus en bout, en débitant ça va continuer à se fendre dans tous les sens, une fois dégauchi, ça va continuer à bouger, donc c'est un bois qui bouge tout le temps. Une fois qu'on assemble, qu'on colle et tout ça, ça bouge plus, mais le travail pour y parvenir est quand même plus important qu'avec une essence comme du mélèze ou quelque chose comme ça qui ne bouge jamais. Le châtaignier, ça coûte pas très cher. Ça vaut entre 500 et 700 euros suivant la qualité, suivant les régions, suivant plein de choses. Mais c'est une essence qui est relativement pas très chère. Par contre, il y a quand même à prendre en compte le fait qu'on va en balancer une bonne partie. Ça va partir au chauffage parce qu'il y a des nœuds, parce qu'il y a des défauts, parce qu'il y a plein de choses. Donc c'est à prendre en compte dans un calcul au départ. Et voilà, un rond de 130 cm, comme ça j'ai de la marge, parce qu'il faut encore dégauchir, donc il va maigrir. Il fait 130 par là, 135 par là, donc ça va normalement faire un rond de 130, que je pourrais ensuite découper à 120. Thank you.
avec le châtaignier, et je trouve plus avec le châtaignier qu'avec d'autres essences, on a souvent des nœuds un peu pourris comme ça. Là, c'est carrément pourri, la matière s'en va, c'est pas grave. J'ai un petit peu d'avance sur le stock de châtaignier, et puis ce morceau, il va sans doute servir pour faire le pied. Oui, c'était la mienne, celle-là. Bon, bah, c'est rigolo parce que toi, c'est toi en plus que c'est ta brosse à dents. Et tu la prends. Attention, tes manches là. Mais on lavera les mains. Oh, bah, il y en a beaucoup de la colle là. Ça découline, aïe 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 aïe. Vite maman. Non, laisse ta main. Oui, ça découline. Ça découline, vite. Et voilà, deux traverses. Ça va être fendu en deux et puis ça fera deux traverses. Et voilà. Et voilà, un dernier coup de rabotage avant de passer à la toupie pour faire des entures sur le bord de chaque champ pour pouvoir tout assembler ensemble. Parce que ça va être tout assemblé d'un seul coup. D'habitude, je fais des sections que je passe ensuite à la raboteuse. C'est pour ça que je mets des lamellos, par exemple. Si jamais c'est pas parfaitement plan, eh ben, je passe à la raboteuse et puis voilà, ça devient parfaitement plan. Mais là, sur 1,20 m, je peux pas passer, j'ai pas d'outils pour tout surfacer d'un coup. Donc il faut que ce soit le plus propre possible. Les entures, ça permet d'augmenter la surface de collage. Bon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours le faire avec des lamellos. Voire carrément à plat joint. Bon, c'est un peu plus risqué, mais les lamellos permettent de bien guider les plateaux les uns par rapport aux autres. Pour régler des entures, il y a deux réglages à faire. D'abord, le positionnement du creux des dents par rapport au guide. Il faut que le guide soit au niveau du creux des dents. Donc ça se fait un petit peu à l'œil, ça se fait en essayant avec des bouts de test. Il ne faut pas que l'ensemble de l'outil vienne creuser le bout de bois. J'ai 86,1 inscrit sur ma jauge de hauteur, 86 mm et 1 dixième. Donc pour faire la face B, il faudra que je monte à 88,1. Donc voilà deux bouts d'essai en pin. Et quand on les assemble avec une différence de hauteur, voilà, ça finit par s'assembler impeccable.
J'ai tracé sur mon plateau un code couleur en bleu pour une hauteur donnée et en rouge pour une hauteur donnée moins 2 mm ou plus 2 mm, ça dépend. Bon, je suis désolé, il n'y aura pas grand-chose à voir. Même moi, j'y vois rien du tout là-dedans. Alors, on se retrouve juste après. Bon, j'ai 20 minutes pour faire mon collage, après ça sera trop cuit, ou alors je mangerai froid. Allez, en avant! Bon, en faisant une passe de finition sur le champ, là, ça a décollé et arraché un morceau relativement gros, donc je vais le coller plutôt que de réduire encore ma table de combien il y a bien 3 cm là-dessous là. Donc ça ferait réduire de 6 cm, je vais essayer de coller. Je verrai bien ce que ça donne. Voilà le piétement de la table qui est positionné sur une épure. C'est la façon la plus facile d'obtenir quelque chose de carré. Je me suis tenté un dessin sur SketchUp, mais j'ai passé beaucoup moins de temps à le faire sur un bout de contreplaqué que devant un ordi.
Maintenant, il faut que je trouve une combine pour faire l'enfourchement du pied sur la traverse, c'est-à-dire que le pied va accueillir un tenon de la traverse. Allez, les enfourchements au des pieds, c'est parti. Ça, c'est ma traverse. Je vais régler ma lame de scie de façon à ce que ça soit légèrement inférieur. Très légèrement inférieur, ça me laissera de la place pour corriger à la main. Le panneau là, il est parallèle à la scie. Je ne l'ai pas mis sur le chariot parce qu'il faut que je fasse des réglages sur le chariot. Il est légèrement incliné de quelques, pas grand chose, quelques poils de rien du tout. Mais sur un enfourchement aussi long comme ça, ça va se voir. Donc voilà, je vais faire coulisser les têtes de mes pieds là au fond, à la main. De toute façon, je ne peux pas m'approcher plus que là-bas, donc je vais couper l'extérieur de l'enfourchement à chaque fois. Je ferai un retournement pour faire l'autre face. Et voilà, c'est la meilleure solution que j'ai pu bricoler pour faire ces enfourchements. Et je l'ai faite la connerie. 41 cm, 34. J'ai fait mon entaille du mauvais côté du trait. La connerie, voilà, je suis un peu fatigué. Je pense à vous faire le film, donc j'ai un peu l'esprit coupé en deux. Et voilà, j'ai fait le trou au mauvais endroit. Et je suis allé vérifier, j'ai plus assez de châtaigniers pour refaire de traverse, donc il faut le plan B, et le plan B c'est de faire un cylindre au milieu, qui va être au milieu de la table, et qui va faire une sorte de départ pour les quatre traverses, que je vais recouper au plus court de toutes, et puis ça va être comme ça, puis voilà. Bon, on est vendredi matin et il faut que le film sorte demain soir. La table est loin d'être finie. Il faut encore que je fasse un creux là sous le... Ça, c'est le dessous. Donc, il faut encore que je fasse un creux. Il faut encore que je fasse le tournage pour la pièce centrale qui va tenir les pieds ensemble, la finition, tout le bazar. Donc, ce film-là, il sera pour la semaine prochaine. Je ne sais pas forcément samedi, mais dès que j'aurai fini, je vous mettrai le film. Mais voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt. Allez, ciao !